Salut à vous toutes et à vous tous, comment allez-vous? Moi ça va très bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 4. Je sais plus le combien d'épisodes, on avance quand même. On avance déjà bien. Je crois que c'est le cinquième ou sixième, je sais plus. Non, je crois que c'est le cinquième. Enfin bref, nouvel épisode sur Battlefield 4. On avance doucement dans la partie campagne comme d'habitude. Donc je tenais à m'excuser d'avance hein, quand des fois il y a des 2-3 petits lags pendant l'animation, pendant le chargement du jeu, surtout au moment où on entend les gens parler et qui filment la mer. C'est là où j'ai remarqué que j'ai beaucoup de lag. Donc j'espère que ce coup-ci ça va aller. On verra bien de toute façon, mais bon, je pense pas qu'il y a pire. J'ai un petit peu baissé la résolution du jeu, donc. Bah, j'ai testé avant de lancer le live et bon, j'ai constaté qu'il y a quand même les lags. On les a quand même, mais bon, c'est pas grave quoi. Je veux dire, limite à la rigueur, si c'est que pendant le temps de ce chargement-là, ça peut aller. Donc on s'était quitté ici. Donc on s'était fait choper enfin, on s'est fait attraper par les ennemis, logique. Et en fait, la femme qui était dans notre équipe nous a trahis. Et donc on va reprendre ici. Alors comme d'habitude, je ne parle pas pendant les animations. Allez, c'est parti, let's go. Alors attendez, toc, voilà, c'est parti. Kaïsa Jean Ricoeur, c'était pourquoi? Mais voilà au même concret quand même. Quelle était votre mission à Shanghai? Kimble Irish Graves, sergent. Laisse-le tranquille, espèce d'enflure! Malheur à votre tour, sergent. Riker, restez avec moi! Restez avec moi, Riker! Je vais t'arracher tes deux putains de bras, et je vais m'en servir pour cogner sur cette salope d'Anna jusqu'à ce qu'elle crève! Elle et son fumier pareil. Son mari? Quel mari? T'as perdu la tête? Tu prends pour un demeuré le type avec des pansements. Je sais tout. Donc, il est vivant. Votre navire, c'est l'USS Valkyrie, hein? Quoi? Putain, mais de quoi tu parles? Vous ne savez pas qui vous avait fait sortir de Shanghai, n'est-ce pas? Ah! Attends, mes chaussures! Ouais, donc là c'est mission torture. Riker, ils disent que c'est votre nom. Vous savez quelque chose sur Jinjay? Je les entends parler de vous, de Jinjay. Ils disent que vous savez quelque chose. Et, sergent, réveillez-vous. Vous êtes américain, souvenez-vous. Vous pensez que votre pays viendra vous chercher? Vous pourrirez ici, croyez-moi. Vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Mais il y a des limites à ce que peut faire un homme seul. Ok. Donc, on a un membre de l'équipe aussi qui est mort. Justement, Allez, dû au fait sergent. qu'on s'est reçu dans l'épisode précédent, hein, je parle, en fin d'épisode précédent. Je sais plus Une c'est quoi son chaîne ne nom. vaut pas mieux que son maillon le plus faible. Donc là, on découvre un nouveau vous personnage. On va voir ce qu'il va vous donner. avez les compétences qu'il nous faut pour sortir d'ici. Oui, mais on va voir. Alors, je vous fais confiance. Vous comprenez? Sauf si vous avez envie de respirer cette puanteur pendant les quelques heures qui vous restent à vivre. Quand vous avez survécu à une explosion nucléaire comme moi, ou que vous vous battez pour la liberté, comme vous affirmez le faire, vous ne pouvez pas mourir en prison. Il y a
quoi derrière ce mur, hein? Encore la prison ou la nuit? Je sais bien, c'est que le mec. Le mec, il détruit le mur comme ça, tranquillou. Regardez où vous mettez les murs. Il détruit un mur tranquille. Allez, vas-y, monte. Sur les canalisations, sautez. Il est un peu long quand même à monter. Hein. Attendez. Ok, donc il faut aller en face. Là, c'est du Mission Impossible, les gars. Allez, go. Sachant que là, on a que le couteau, bah, ce qui est logique. Donc, en espérant que je vais pas trop galérer dans cette partie-là, parce que si vous avez pu constater... Si on reste ensemble, on survivra. Vous avez pu constater dans l'épisode précédent que j'ai bien galéré, et encore, j'ai dû couper la partie... enfin, j'ai dû couper la vidéo. Et franchement, c'était galère. Alors, si je galère déjà maintenant, imaginez d'ici la fin du jeu, quoi, à mon avis. Je pense qu'on n'est plus vraiment très loin du jeu. À mon avis... Waouh. Ok, j'ai rien dit. Bon, tu fais quoi, mec? Tu l'attaques? Ouais. Ok, nickel. Je peux récupérer l'arme. Ça, c'est bien. Ah non, il a pris, l'enfoiré. C'est sérieux, là? Le mec, il a... Attendez. Il n'y a pas une autre arme quelque part. Hein. Parce que là, au couteau, ça va être un peu chaud quand même. Bon, bah, écoutez, hein, on n'a pas le choix. Ah, ok. Boum, donc lui il a sûrement une arme, je pense. Non? Non, il a pas d'arme. Ah si, je me disais bien. Ok, bah déjà c'est mieux. Ah, par contre, les fusils à pompe. Ce que j'aime pas trop. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Mais. Le problème c'est que. J'ai pas beaucoup en munitions. Merde, je me suis fait repérer. Oh putain. J'ai pas beaucoup de munitions. Hein. J'ai pas beaucoup. Attendez. Bon, il va mourir, lui. Ok, nickel. Ah, j'ai plus de munitions. Attendez, je vais essayer de le récupérer, là. Ah, peut-être que... Ouais, bon, en gros, ouais, faut vraiment faire attention quand on tire parce qu'on a on est vraiment très limité. Ce qui concerne les connexions. Les connexions, puisque je dis. Les munitions. Ok, donc le mec, il est en haut. Va falloir le buter parce que là, j'ai que 3 munitions. J'ai pas intérêt de louper mon coup. Bon, bah, ça va, j'ai pas loupé mon coup. Ça, c'est nickel. Ok, donc on va recharger. Donc, ok, il faut appuyer sur. Ok, appuie sur E pour voir les verrous. Allez, c'est parti, let's go. Wow, il y a du monde. Bah ouais, mais quoi. Attendez. Ça va être chaud. Ah, là, j'ai des munitions. Mais bon, ça va quand même être chaud. Quoique, non, il en a tué pas mal le mec en fait. Attendez, je vais mourir. Vite, baisse-toi. Ok, donc, si je contourne par là, est-ce que je peux peut-être... Non, attendez, il y en a un.
Boum. Oh, il y en a un juste là. Vite. Attendez, faut que... Là, je vais bientôt mourir, c'est pas bon, ça. Eh, mais les mecs, ils sont excités, quoi. Oh, le mec. Ok. Donc là, je l'ai marqué. Ça va être... C'est plus facile pour les repérer, surtout qu'il fait noir. Donc j'espère que vous avez quand même assez bien le son du jeu, parce que des fois je le baisse un peu trop, des fois je l'augmente trop fort le jeu. Donc vous m'entendez pas forcément des masses. Donc je tenais à m'excuser si dans cette vidéo, au cas où le son est trop fort ou alors pas assez. Mais je peux pas trop prévoir. Enfin si, limite je peux faire un test, mais bon. Et je tenais aussi à m'excuser si vous entendez des sons bizarres, parce que là j'ai ouvert les fenêtres, il fait chaud, il fait beau. Donc vous risquez d'avoir du son... des voitures, donc voili voilou, donc il est fait trop chaud, on peut pas rester fenêtre fermée. Hein. Bon bah j'ai échoué, hein. Bah ouais mais c'est chaud quoi, enfin quoi que c'est chaud, après ça va, on récupère l'arme, on récupère l'arme normale, donc bon. Alors attendez, maintenir, et en tout cas j'espère que la série sur Battlefield vous plaît, franchement. Même si des fois on a 2-3 petits lags, bah ça fait du bien, parce que c'est vrai qu'on fait pas mal de call-off. Ça, voilà, ça change un peu. C'est bien un peu de renouveler tout ça. De toute façon, c'est prévu que par la suite, une fois que j'aurai fini Battlefield 4, je ferai une nouvelle série sur un nouveau jeu. Parce que c'est vrai que, bon, je l'ai remarqué moi aussi, je fais beaucoup... Je peux pas tirer à travers ? Non. Ah merde. Non, je suis pas. Ah, dommage. Ouais, donc je disais, j'ai constaté, c'est vrai que je fais beaucoup de vidéos de... Enfin, je fais beaucoup de jeux FPS. Et donc, par la suite, je changerai un petit peu tout ça. Bien sûr, il y aura du Call of quand même, hein, de temps en temps, parce que j'aime bien jouer à Call of. Mais voilà. Après, il y aura des jeux qu'on va changer, on va tout modifier. Non, mais c'est pas possible, les gars, c'est pas possible. Comment je fais, moi? Bah ouais, mais avec un fusil à pompe, tout à l'heure, j'avais une mitraillette. Là, c'est pas possible. Comment je fais? Parce que là, c'est chaud quand même. Attendez. À moins que j'ai l'arme par des... Ouais, fusil à pompe, c'est pas trop mon truc, hein, franchement. D'accord. Donc, d'après ce que je comprends, on a une arme sur deux. Alors, attendez. Ah non, d'accord, c'est une arme secondaire. Ah, mais fallait le dire tout de suite. D'accord. Attendez. Mais on s'est allumé de tous les côtés, c'est incroyable. Bon allez, un. Voilà. Voilà. Parce que sinon on va jamais y arriver si on tire dans le tas. Je l'ai fait deux fois là et j'ai vu que ça marchait pas des masses. Donc on va faire attention. Attendez. Oh là 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 là. Oh le bordel. Alors attendez. J'arrive pas à tuer l'enfoiré. Putain, mais les gens ils se cachent. Enfin, les mecs ils se cachent bien quoi. Comment vous voulez les tuer? Oh, ok, il y en a un là. Lui c'est fait. Toi c'est fait. Voilà. Donc là il y en a encore un ici. Bon, là déjà il y en a 3 de morts. Donc en espérant que. Il n'en reste pas énorme parce que sinon c'est un petit peu chaud quand même. Tu oses t'approcher, toi tu oses t'approcher. Oh putain, les enfoirés, comment ils se cachent bien. Et là, je trouve qu'on a tué pas mal. J'espère qu'on va y arriver parce que ça fait déjà 2 fois qu'on relance la partie. Ça commence bien en ce début de vidéo. Mais en même temps, c'est un petit peu chaud là. Je pense que vous pouvez le constater. Attendez, wow, putain, attendez. Faut que je me baisse là, faut que je récupère de l'énergie, parce que sinon, là, je vais refaire une troisième fois, une troisième tentative, et là, ça va commencer à me saouler. Alors, attendez. Il y en a encore un là-bas. Bah, le mec, j'ai tiré dessus, il est pas mort, quoi. Ouais, d'accord, t'arrives. Bon. Là, la liste se rétrécit. Alors, attendez, il y en a encore un là. C'est que les mecs ils osent s'approcher comme c'est un truc de fou.
Alors là, il ne va en rester au moins 2-3, pas plus, je pense. Parce que là, on a quand même tué pas mal. Par contre, là, je suis au fusil à pompe. J'ai plus assez de munitions. Oh! Bon, bah, apparemment, c'est bon, les gars. On peut y aller, je crois. Allez, on trace. Putain, je crois qu'il y avait encore des mecs. J'ai flippé. Allez, recharge, mon coco. Toc. Ok. Donc, il faut aller là-bas. Eux pour ouvrir. Boum. Je lui ai sauvé la vie, là, quand même, hein. Alors attendez, c'est quoi son arme? Pas question que je me tire sur lui. Allez, faut y aller. Je peux pas la prendre. Ah non, bon bah tant pis, hein, tant pis, on fait avec. Où est-ce qu'il l'ordre? Comment ça? L'ascenseur est droit devant, c'est la seule sortie. Pas question de partir sans bac. Sois bien clair, je ne vais pas m'en laisser. Qui même me suit? Venez, restez en mouvement. Ah ouais, mais à mon avis, ça marche pas à travers la grille. Mais il y a un truc qui m'énerve un petit peu sur Battlefield. Bon, après, faut se dire que Battlefield, franchement, c'est assez réaliste. Mais il y a un truc qui m'énerve bien sur Battlefield, c'est le recul. Le recul, il est énorme. Il est énorme. Attendez, je me méfie. Il y avait pas un mec, là? J'ai pas vu un mec. Attendez. Oh, le mec, carrément, quoi. Au corps à corps, quoi. Attendez. Oh, ok, il y en a un juste en face. Oui, des fois, le bot, il est un peu ridicule. C'est... Il s'approche de toi, alors qui sait qui peut mourir, quoi. Bon, je dis ça, mais là, je viens de faire la même chose. Hein, mais... Non, mais c'est vrai que le bot, des fois, je le trouve un peu bizarre. Enfin, l'IE, quoi, l'IA, si vous préférez. Waouh, il y en avait un là. Puis au fusil à pompe, l'enfoiré. Regarde ce que j'ai fait de ton fusil à pompe, moi. Attendez, il y en a encore ou. Baisse-toi. Parce que là, je vais me faire allumer. Ok, je pensais pas. Franchement, je pensais pas l'avoir vu le recul qu'il y a dans l'arme. C'est trop facile, mais on n'a pas le choix. Allez. Oui, pourquoi nous aider? Je ne vous aide pas. C'est vous qui êtes en train de m'aider. Ouais, bah c'est cool. Ok, donc je pouvais toujours attendre. Allez, on appuie sur E. Je sais pas pourquoi, mais je m'attends à une connerie là. On verra bien. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. C'est qui, lui? Votre partenaire? Il est fiable? On est où? À Singapour, c'est ça? Elle était bonne. Votre amie plaisante. Je suis Irish. Et voici Regler. Pac. Vous savez ce qu'il y a là-haut? Je parie que non. Attention, ça. Vous pigez pas. Vous pigerez bientôt. Le mec, il est rassurant. Ils passent les premiers. Ils se font tuer. Ok, donc là. On fout le bordel, on fout le dawa. Ah, je pourrais changer d'arme parce que j'aime pas trop. Bah, ce qui est bien, c'est que par contre, j'ai beaucoup de munitions. Quoique, du coup, j'hésite parce qu'il y a pas mal de munitions dans l'arme. Mais, alors attendez, je vais regarder quelque chose. Donc, celle-là, c'est celle qu'on a actuellement. Cadence de tir 300, 14, 6, 14. Non, c'est même pas. Non, c'est pas celle-là que j'avais. C'est la USA 12. Non. Je prends pas fusil à pompe. Carabine, non.
J'ai pas d'autres armes là, présentes. Non. Ok, bah écoutez. Non, je vais la garder tout compte fait. Parce que. Quoique la FAMAS. J'hésite, hein. J'hésite. Alors, on va prendre la FAMAS pour changer. Par contre, là, on a à faire bien gaffe. Ça tire de partout. Par contre, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de munitions du coup. Mais apparemment, elle a une bonne cadence de tir. Donc, normalement, ça devrait. Mais pourquoi je suis bloqué? Ah, ouais, ok. Allez, montre-toi! Oh, on m'a pas l'air terrible tout compte fait. Waouh! Allez, allez. Oh, une balle dans la tête, c'est déjà ça. Je vais essayer de contourner en passant par là. Ah bah j'ai bien fait, y a un mec qui se ramène. Vas-y, montre-toi. Bah, elle est pas mal en fait, mais enfin, il y a mieux quoi. Je veux dire, la cadence, elle est pas si excellente que ça. Waouh. Elle est pas si excellente que ça, et en plus... Du coup, on perd beaucoup de munitions par rapport à l'arme de tout à l'heure. Je sais plus, c'était quoi, l'US, je sais pas quoi. je suis précis. Non, mais c'est vrai que... On a quand même pas mal de pertes. Mais par contre, apparemment, j'ai l'impression qu'il y a... Il y a moins de recul. Et moi, le recul, vous connaissez, c'est important. Waouh, putain, je l'ai pas vu. Je vais me faire allumer, là. Attendez. Autant que je récupère un peu d'énergie, parce que sinon, je suis mal barré. Ouais, par contre, il n'y a pas beaucoup de munitions. Boum. Il y en a là. Bah, attendez, là, je vais chercher les munitions. Est-ce que j'en ai quasiment plus? Ouais, c'est là. Je me disais. Non, c'est. Ah oui, c'est. Non. Ah oui, ok, c'est au-dessus. D'accord. Non, du coup, je vais reprendre. Non, attendez, c'était pas celle. Bon, c'est pas grave. On va prendre la Scarache. Hein. On va pas s'embêter. Donc, on est venu. Il fallait aller. Oui, d'accord. Il fallait passer par là. Du coup, je suis perdu. Allez go. Je sais pas pourquoi mais je sens qu'ils vont tous se ramener en même temps là. Parce que ça m'a l'air d'être un grand entrepôt quoi. Donc, wow. Il y en a un là, mais toi mon con, tu m'as pas vu. Oh là là, je me fais allumer, mais d'une force. Toi tu vas me lâcher, voilà. J'ai eu du bol franchement de l'avoir du premier coup, parce que là, j'étais sur le point de mourir. Hein. Ah, je l'ai touché. Ah ouais, ils sont deux. Si je me disais, quand j'ai pu le toucher, il était bien caché. Oh, puis lui, il se ramène. Allez, vite, recharge. Ah, il s'est planqué, l'enfoiré. Il s'est caché. Ah bah, il s'est fait avoir. Donc c'est nickel. Ah bah, il a du mal à l'avoir, hein. Viens là, petit. Ok. Il y en a deux là-bas. Putain, ils sont beaucoup là, dans cette vidéo. Hein. Ils sont beaucoup dans cette partie. Là. Ah putain, puis je suis très limité en plus en, au niveau des munitions, alors c'est un peu galère. Oh, je l'ai eu. Putain, en plus, c'était pas volontaire. attendez. Boum. Boum. Ouais, voilà. Un de moins, normalement. On a un là, je crois. Non. Alors, je pensais. Ok, autant pour moi. What? Toi, tu vas me lâcher. On va pas être copains. Tu croyais m'avoir, moi.
Ok, donc là... Attendez. Oh, le mec, il s'est caché, mais d'une force. Ah, j'ai touché, là, il devrait mourir, non? Bon, là, il est mort. Attendez, je peux recharger ça, c'est nickel. Tac. Ouais, donc. Et moi, je fais quoi? Ah, oh, ok, je vais récupérer. Oh. Cette journée m'obsède depuis très très longtemps. Ouais, au lieu de parler, continue. Donc, il y a des clés mortes, donc à mon avis, je sens que les gens ils vont se ramener d'un coup. Alors, attendez. Hop. Je suis désolé si vous entendez le bruit des tondeuses, hein. De toute façon, à chaque fois que je filme, il y a toujours du bruit, donc. Hop. Je vais essayer par là-bas, en haut. J'espère que ça va pas trop faire de bruit parce que du coup vous allez pas trop entendre. Mais bon. Wow. Alors attendez, j'en mets une ici. Ouais, je sais qu'ils viennent du toit, je sais, mais tu permets, mec. Donc là, j'ai posé quand même pas mal de clés morts. On va voir ce que ça va donner. Ouais, ils se ramènent tous d'en haut, là. Ils se ramènent tous d'en haut. Ah, j'ai bien fait d'avoir posé des clés morts. Hein. Et franchement, je l'avais jamais fait, cette partie. Et je m'en doutais, quoi. Je m'en doutais qu'ils allaient se ramener, quoi. C'était trop simple. Attendez. Je suis pas sûr de l'avoir eu, mais bon. Ok, là, il y en a plusieurs. Oh l'enfoiré, il jette une bombe. Bon, vous voulez jouer à ça, les gars? Ok, attendez. Tonton Peter, il va s'en charger. Ah, la clé mort s'en est chargée. Attendez, il y en a un bout. Ah, il est bien caché. Hein. Il est bien caché. Putain, mais ça tire partout, c'est incroyable. Ah, putain. Alors, attendez. Il y en a un là-bas. Il est où? Ouais, bah apparemment, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Attendez. Ouais, mais après, ensuite. Ah ouais, il y en a encore d'autres. Vas-y, approchez, les gars. Il y a des clés morts. Approchez, il n'y a pas de soucis. Vas-y, venez. Non, ils viennent pas. Ils s'approchent pas. Ah, l'arme, elle a trop de recul. Je sais, hein, je me plains souvent de l'arme, mais... C'est chiant, quand l'arme a trop de recul comme ça, tu... Tu galères. T'es habitué avec Call of Duty à pas trop avoir de recul. C'est vrai que, bon, ça, sur Call of Duty, on n'a pas assez. Waouh. Oh, t'es carrément fusil à pompe, quoi. Ça va, tranquille. Allez, non, mais non, non. Oh non, pas maintenant. J'étais sur le point de les avoir tous tués. Ce Battlefield 4, les gars, plus j'avance, plus il commence à me gaver. Sérieusement. Ah bah ça, on recommence pas totalement, parce que franchement, ça c'est un peu galère, quoi. Ok, donc on va faire ça. Allez, on va tout préparer. Voilà, on va tout préparer, t'inquiète. Ah, j'ai plus de clé mort, je crois. Ah, j'ai plus de clé mort, dommage. Bon, bah, attendez, tac.
Attendez, de toute façon, il y en a encore des clés morts normalement. Non, c'est pas ici. Ah non, je crois qu'on peut pas récupérer, là, c'est que les armes. Ouais, donc, je suis coulé, en fait. Je suis coulé. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, il faut les buter. On va pas rester 2 ans ici. Là, c'est que le mec il s'approche de toi tranquille, ils ont pas peur de mourir. Je trouve que les bots c'est un peu mal fait quand même. Il y en a un qui me tire là-bas là comme un lapin. Genre le mec je lui tire une balle dans la tête, il meurt pas. Allez montre-toi. Voilà, toi, tu vas plus nous poser de soucis. Ah, j'ai plus de munitions, attendez. Putain, mais les mecs, ils s'approchent de toi, quoi, tranquille. Mais genre, ils ont pas peur pour leur vie, quoi, ça me fait délirer. Ok, et là, je pense qu'il va y en avoir encore d'autres qui vont se ramener. Bah, fais vite, parce qu'on n'a pas que ça à faire, hein. Attendez, c'est bon, il y a un bug, là. Il pose son arme dans l'écran, quoi. Oh, putain. Il s'approche, mais comme des malades. Ils ont pas peur, quoi. C'est incroyable. Engagement de la cible. Oh là 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 là. Allez, on peut y arriver, là. Faut qu'on termine ce chapitre. Toi, c'est fait. On n'en parle plus. Oh bah bien sûr il va de l'autre côté lui. Encore en haut. Allez, montre-toi. Eh ben bah, il se cache bien. Hein. Vas-y, mais. J'allais dire, putain, mais si vous venez pour pas combattre, ça sert à rien, quoi. Allez, montre-toi. Ouais, bah voilà. En espérant que... Wow. En espérant que ce coup-ci, c'est bon. Allez, on fait une recharge. Allez, ouvre. On va pas rester 2 ans, là. Ça suffira. Et bah tu passes. Bah tu passes pas. Ah ouais le mec quoi, il est au taquet. C'est un truc de fou. Bon bref, on va arrêter cet épisode sur Battlefield 4 hein, parce que ça fait déjà à peu près presque 35 minutes. Étant duplodé, bref, le montage, etc. Vous savez hein, comment ça fonctionne au fur et à mesure du temps que je vous l'explique. Désolé pour les bruits de sonore, enfin les bruits de fond en dessous quand vous entendez ce qui se passe dehors. Hein. Mais en tout cas, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo, ça fait énormément plaisir. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur Battlefield 4 en campagne. Ciao.